Allô, il y a quelqu'un qui m'a demandé astuce pour. Il m'a dit c'est urgent au fait, il a besoin d'astuce parce que il sait pas, il m'a dit que sa femme pisse au lit. Ça c'est vraiment un problème sérieux. J'ai pas voulu répondre aux commentaires pour ne pas qu'on sache c'est qui le profil et tout. Voilà, il faut être un peu discret dans les choses. Et puis j'ai essayé de supprimer le commentaire de la personne. Voilà, donc je vais faire cette astuce pour cette personne. Vous avez besoin de trois gombos. Voilà, vous prenez le gombo, vous lavez très bien. Trois gombos. La personne mange, mais gombo là, ça se mange cru. Ça se mange cru. Un matin, un à midi et un le soir. Voilà. La personne va faire ça régulièrement et avec le temps, ça va disparaître. Mais il y a deuxième astuce aussi qui est igname. Vous prenez igname. Vous nettoyez et puis ensuite vous prenez, vous n'arrivez pas, comment dirais-je, je sais pas comment on va appeler ça, vous n'allez pas éplucher l'igname, vous laissez l'igname telle qu'elle est, mais vous allez laver quand même et puis ensuite vous allez vous mettre l'igname dans le poulailler, voilà, dans un poulailler, vous laissez l'igname là pendant 2 ou 3 jours comme ça pour que les poulets puissent picoter l'igname et tout, ensuite vous prenez l'igname, vous venez vous cuisiner l'igname pour donner à la personne et la personne mange. Vous allez voir que ça va disparaître. La personne ne va plus pisser au lit. Parce que ça arrive souvent, les gens rêvent comme s'ils étaient dans les toilettes en train de pisser. Et puis, à leur réveil, ils voient qu'ils ont déjà pissé sur le lit. Donc, l'astuce pour arrêter le pipi au lit, c'est ça. Que ce soit même pour les enfants et tout, grandes personnes, c'est même astuce là. Ces gombos là, vous devez manger cru. Voilà, merci.